Alors, Paris. Tout ça commençait à rouler à Paris, justement. J'étais passée meneuse de revue, écoutez bien, au Moulin Rouge. Et c'est même moi qui faisais passer les auditions aux petits gars qui veulent entrer dans la troupe. La chance. Ah oui. Bah, bon. Bah, j'aurais bien aimé, moi aussi, hein. Moi, c'est là, rien. Mais il est juste jaloux, je crois. Oui. Et c'est là que j'ai rencontré Léon. Oh, du genre, beau gosse, celui-là. Comme moi. Ah non, pas vraiment. Lui, l'Apollon Cerise, hein, le vrai, avec une aura féline qui dégage de son corps quand il danse. Oh, depuis, je dois l'avouer, je fais de drôles de rêves. Oh, tu m'étonnes. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai quand même bien le droit d'avoir une vraie prière, quand même. Hein? Puis en même temps, si tu réfléchis un peu, dans le cabaret, il y a une règle d'or, hein, qui dit qu'on ne peut pas fricoter entre employés. Alors, déjà, c'était fichu d'avance, même si je le trouvais très, très beau, ce petit Léon. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, je peux pas, mais... Il me met un peu dans tous mes états, ce Léon. Je vous raconte ce qui me fait vivre. Thank you.